Salut à tous, je vais vous présenter mon équipe de Fantasy League. Alors, en meneur, je vais mettre 10 boosts. Je l'ai mis lui parce que je crois que c'était mon premier match en tant que pro en Coupe de France. Bah, j'ai assez souffert, hein. Je crois qu'il m'a mis 24 points. Bah, j'ai rien pu faire contre lui. Ensuite, en arrière, je vais mettre Azaïa Cordinier. Azaïa Cordinier, tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur de la Ligue actuellement et je pense qu'il va faire une très grosse saison. Un main avec Azaïa Cordinier. Deux joueurs face à Vandy Colson. On vous parlait de duel entre les deux. Ouais, en poste 3, Charles Cahudi. Tout simplement parce que bah, c'est Charles Cahudi, hein. Vous savez très bien qui c'est. C'est important de l'avoir dans son équipe. Ensuite, en poste 4, je vais mettre Gershon Yabusele. Tout simplement aussi parce que je pense que c'est le meilleur poste 4 de la Ligue et je pense qu'il aussi va faire une très grosse saison. Ouais, c'est lent. Et forcément, le tir à l'arrêt derrière de Gershon Yabusele, mais ça entre. Et en poste 5, je vais mettre Jacques Alinguet. Tout simplement parce que j'ai joué avec lui la saison dernière. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il m'a beaucoup aidé l'an dernier durant ma saison avec Le Mans. Et mon sixième joueur, je vais mettre Antoine Eto'o. Aussi parce que j'ai joué avec lui et que c'est quelqu'un avec qui on rigole beaucoup, capable de tout sur le terrain, surtout de mettre des gros shoots. Lève la tête. Essaye à 3 points. Aïe, Eto'o ! Voilà, c'est mon 5 pour la Fantasy League. Maintenant, c'est à vous de jouer et essayer de devenir le meilleur GM1 de France.